Vagabonde voleuse vicieuse, c'est un livre d'histoire qui essaye, à travers des archives judiciaires, de décrypter la question de la déviance et de la délinquance des jeunes filles dans le Paris des années 50 et 60. Donc c'est un livre d'histoire, comme je l'ai dit, un livre à partir d'archives. Hein, et la consultation de ces archives a été assez magique, puisque j'ai pu, à travers les archives du tribunal pour enfants de la Seine, entendre les voix de ces adolescentes des années 50 et 60 du Paris populaire. On peut lire leurs lettres, leurs réclamations, on peut savoir comment le suivi judiciaire s'est mis en place. C'est une parole rare, il est rare d'entendre les adolescents, encore plus rare d'entendre les adolescentes. C'était une matière pléthorique, extraordinaire, qui permet à la fois de comprendre l'organisation de la justice des enfants, mais surtout d'approcher de très près la vie de ces adolescentes dans le Paris des années 50. La force, je crois, de mon livre et le choix que nous avons fait avec l'éditrice, c'était de mettre un maximum justement de mots des jeunes filles retrouvées dans les archives. Donc on entre dans le livre, donc je répète, c'est une recherche, on entre dans le livre avec une introduction qui permet de mieux comprendre l'organisation de la justice des enfants dans les années d'après-guerre, au moment où justement elle se crée en France. Et puis ensuite, on va découvrir trois grands portraits de jeunes filles que j'ai découvert moi-même dans les archives. Le portrait de la petite voleuse, le portrait de la vagabonde qu'on appellerait aujourd'hui la fugueuse, et le portrait de la vicieuse, débauchée, celle qui fait le plus peur. Et ces portraits nous donnent accès aux mots des jeunes filles, aux paroles des jeunes filles qui racontent leur vie et qui racontent aussi leur rencontre avec la justice et parfois leur souffrance ou leur colère ou leur rébellion. Donc c'est véritablement à partir des paroles de ces jeunes filles, de leur vie, de leur existence, du suivi judiciaire qu'on entre, je crois, dans mon ouvrage et dans ma recherche.